Si vous entendez crier, c'est normal, il y a la jambe prise en dessous. Vous voyez un pompier à l'intérieur avec une couverture et a abrié la victime pour être capable de casser le pare-brise. Pour la protéger, ils vont utiliser les mâchoires de vie. Donc, utilise des pinces de survie. Ceux qui ont des ongles incarnés, là, c'est l'outil idéal, ça. Ça fait un job, je vous le jure. Il n'y a rien qui arrête ces pinces-là. Ils ont l'air plus légères. Qu'est-ce que je pourrais faire pour les mettre dans l'arbre un peu, là? Rien, je pense. OK. D'habitude, il aurait ouvert le haut d'en avant. Nous autres, comme répartiteurs d'urgence, on les appelle les coupeux de poteaux. Parce qu'ils vont couper les poteaux de la batterie pour éviter que les coussins gonflables les pètent en pleine face quand ils sont à l'intérieur. Il y a certains points à l'intérieur, d'autres, il y a certains véhicules qui ont deux ou trois interrupteurs. Il faut qu'ils aillent faire comme une Corvette, il y en a en dessous du siège et tout. Mais. Ils interviennent, ils vont tous couper les courants, source de courant électrique pour éviter d'avoir le coussin gonflable dans le figure. Là, ils se donnent de la place pour travailler. D'après moi, ils vont devoir, je le dis tout de suite, là, mais d'après moi, ils vont devoir enlever le siège d'en avant pour être capable de dégager la jambe. Parce que c'est la jambe est vraiment coincée en dessous. Là. Son tir, là, sur lui, il va crier. Il y a un pompier qui m'a regardé comme drôle d'air, je ne sais pas pourquoi. C'est pas grave. Comme ça. C'est une simulation, il faut s'amuser. Ouais. On va essayer de vous faire entendre. Que ça fait? On va lui demander de couper un petit peu plus bas. Coupe l'autre, coupe un petit peu plus bas. Regardez, écoutez ça, on va vous faire écouter ça, on va mettre et m'en protéger les yeux. Vas-y. Avez-vous entendu? Il n'y a rien qui arrête ça, je vous le dis, c'est fort, fort, fort. Là, ils vont se mettre à quatre, ils vont enlever le toit. Les chanceux vont être décapotables gratuites. Fait qu'on retient que quand ils mettent les blocs, c'est pour stabiliser le véhicule. Vous avez vu qu'ils ne bougent pas du tout, même s'ils poussent dessus. Salut, Boucan! Ils rouvrent le hood d'habitude pour enlever couper les poteaux de batterie pour le protéger. Là, on voit l'ambulancier en dessous de la couverte avec l'autre. On ne sait pas s'ils se donnent des petits becs, mais en tout cas, ils sont protégés les deux. Ah. Avez-vous remarqué le délai encore? Moi, je suis fatiguant avec le délai, mais le délai. Tout ça pour vous dire que quand le chemin est bloqué, on a beau sacrer, dire ce qu'on veut. Mais dites-vous que les intervenants, ils sont là pour travailler, ils ont besoin de place, ils ont besoin de travailler. Sinon, là, il y a des preneurs dimanche, des wéreux du dimanche qui viennent nuire à l'intervention, puis ça, c'est pas bon.